Ces provisions appartiennent à Sauron. Il faut que personne ne les prenne. Oh, regardez, c'est des réserves. Ça vous dit une réquisition musclée? Sois vigilant. Cette rame provient d'un navire qui s'est échoué dans la baie de Belfalas. Elle est sans doute passée de main en main parmi les pirates avant de se retrouver dans les terres, où je l'ai aperçue sur la charrette d'un marchand il y a des années. Je me demande souvent quelle main la maniait en mer. Celle d'un esclave enchaîné, ou bien celle d'un fringant pirate d'Umbar. J'imagine que je ne le saurai jamais. À quoi sert une rame sans son bateau, et si loin de la mer ?
Elle rappelle à chacun que la Terre du Milieu existe au-delà du Mordor. D'abord, on percevra les pas du gros. Ensuite, on entendra hurler notre appât. Enfin, c'est là qu'on pourra s'amuser. Tuez-le ! Faut le tuer !
planqué. Tu finiras par obéir. Calmar. Oh, 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 là ! Il est sur le mur ! Criez si vous voyez des mortels ! Un contre un rôdeur ! Atom affronte un jour sa plus terrible peur. Me voilà! J'ai déstabilisé l'autre! Attends, pas encore! Comment ça va, Talion ? La nouvelle recrue est plutôt du genre sournois. Il fera un bon infiltré. Ce qu'il faut, en gros, c'est qu'un chef de guerre l'engage comme garde du corps. Et comme ça, ben, il le trucide. Bon, aucun chef de guerre engagera un garde du corps sans qu'il ait fait ses preuves. Et l'endroit idéal, c'est les fosses de combat. Pourquoi on est digne de confiance quand on survit là-bas ? J'en sais rien, mais c'est l'occasion de se marrer. Et il faudrait être idiot pour faire confiance à un orc, donc ça se tient. Vas-y, tente le coup. Pour Calmar.